Les réceptions, la matinée, en cours. Petit groupe. Combien? 5, 6, 7 même. 7. Et là. Hop là. Oh le terrain, oh le terrain. Ouais, mince. Ok, après la première montée, la première descente. Bien, c'est un peu les ornières là. J'ai bien creusé les engins pour rester. Ouais, ouais. Ah ouais. Hum? Ah ouais, content, content. T'as pas cassé le dérailleur? Non, pas encore. C'était la bonne solution. Ouais. J'ai eu une fois un souci sur une sortie où en fait le plateau à l'avant s'était dévissé. Et ça. En fait, ça a complètement coincé le. Je croyais que c'était la boîte qui avait pris un coup. En fait, je disais, c'est pas possible quoi. À 400 bornes. Et en fait, c'est simplement dévissé. Sauf que pour revisser, il fallait un outil spécial de chez Pignon. Une espèce de clé d'écrou. Comme ça, les meuleuses, tu sais. Pour serrer le. Ah ouais, mais il te faut une farée. Non, non, non. Donc, j'ai commandé sur un site allemand. Je l'ai eu en 4-5 jours, donc j'ai pu réparer, enfin remettre en place pour la semaine d'après quoi. Hein. C'était assez rapide, mais sans cet outil là, tu pouvais pas serrer suffisamment fort quoi. J'avais essayé avec deux clous que j'avais mis dans les machins, mais c'était pas assez serré quoi. Avec gadou. Oh le truc. Ah ouais. T'as pas réussi à le retirer alors? Non bah j'ai arrêté la sortie, je suis rentré à pied. Hein. Je suis arrivé chez moi, j'ai démonté la manivelle. J'ai vu que c'était effectivement desserré et bon voilà, c'est moins grave que ce que je pensais. T'avais pas la possibilité de le retirer avec le clou? Bah non, j'ai essayé comme dit avec deux clous machin que j'ai mis dedans, j'ai réussi à resserrer un peu. Mais je me doutais bien que c'était pas assez. Hein. Une semaine. Non, 4 jours. Le temps que j'ai reçu l'outil que j'avais commandé, quoi. Coûte une trentaine d'euros le machin. Pour un petit accessoire que tu mets en fait sur une clé. Hein, voilà, sur une clé à cliquer ou un truc comme ça. Quoi. C'est juste l'embout. Hein. Mais il nous faut. Ouais. Ouais, parce qu'il faut quand même serrer à 40 nm. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est une clé dynamométrique. Ouais. Pour voir combien il y a de fer.